Avec le développement de la production de biométhane, le gaz devient de plus en plus local. Le biométhane qui est produit sur un territoire, il est injecté généralement dans le réseau de distribution, qu'il faut voir comme une boucle de réseau fermée. À certaines périodes de l'année, la consommation n'est pas suffisamment importante pour permettre de valoriser la totalité de la production. Et c'est pour cela que GRT Gaz a développé une solution technique qui s'appelle le rebours. Le rebours, c'est une machine qui va permettre de rediriger l'excédent de biométhane produit vers le réseau de GRT Gaz et ainsi de valoriser la totalité de la production toute l'année. Le développement de la méthanisation sur le territoire, il doit être d'abord organisé et structuré. Nous, on a souhaité qu'il s'intègre à un mix énergétique. La méthanisation, c'est une part du mix énergétique, mais il y a aussi de l'éolien, il y a aussi du photovoltaïque, il y a aussi du réseau de chaleur. C'est important de pouvoir travailler sur un territoire et avoir une vraie vision stratégique.